Très frères et sœurs, bonjour, soyons tous bénis, votre frère et ami, l'évangéliste always right, bon. Rend toute la gloire à l'éternel des armées, notre créateur, lui seul à qui toute la gloire revient, quel que soit ce qu'on fait ici, qu'on rit, qu'on dit des choses sérieuses, mais on doit toujours trouver un moyen de lui rendre toute la gloire, parce qu'il mérite cette gloire. Que son Seigneur soit loué et glorifié au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, une fois de plus, merci. Et, en tout cas, Dieu ne dort pas haut. C'est-à-dire, ces derniers temps, malgré tout ce qu'on a eu comme mauvaise nouvelle sur notre continent, toutes les tueries, tout ce qu'on a eu comme mauvaise nouvelle, au moins, Dieu ne dort pas. Ça tombe bien, la CAN tombe bien, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations tombe bien. Ça va faire qu'au moins, Ivoirien, Africain, on va tout faire, mais au moins, ballon nous remet ensemble. Ballon dans la joie. Donc, avec la Coupe d'Afrique qui arrive, c'est très bien. Chacun va supporter son équipe. Il nous sera dans la joie avec son équipe. On va rire, on va se taquiner, surtout sur cette page vérité purement. On va rire, on va se taquiner. Et c'est ce qui fait la joie. Au moins, ça nous permet d'oublier un peu nos souffrances, nos petits problèmes. OK? Donc, pareil, ça a commencé depuis hier. Et voilà, pareil, le Gabon, bouge des Gabonais. Le Gabon, les panthères bleus, ils ont, intégrer les parents du pays des rires, des hommes intègres. Ils ont été intégrés hier. Mes frères et sœurs burkinabés, vous avez versé mon visage à terre hier. Mais c'est pas grave, ça allait, ok. Il y a encore deux mois de toute façon. Et c'est à cause de ça, depuis, tu vois les Gabonais sur Facebook, partout. Bon, pour eux, ils ont gagné Coupe du Monde. Vous avez gagné une équipe. C'est-à-dire, ballon n'est même pas encore arrivé quelque part. Tu le vois partout sur Facebook. Et panthère bleu. Attends, qui même donne le nom là même, les noms là même aux équipes africaines même. Panthère bleu. Attends, d'abord, s'il y a panthère au Gabon. Mais là, s'il y a panthère là-haut. Panthère bleu. Moi, j'avais vu ça. Panthère bleu. Au moins, donnez ceux qui donnent les noms aux équipes africaines. Au moins, donnez un nom qui, quand tu vois l'équipe même, on dit, voilà. Au moins, tu parles de nos frères congolais hier qui ont fait, match nul avec le pays organisateur, l'Équateur. La Guinée équatoriale. Au moins, le nom, là, ça ne va qu'on dit le nom net. On sait que voilà les. On dit diable rouge du Congo. Tu le vois sur le terrain, tellement ils sont rouges. Voilà les diables rouges du Congo. Ils sont clairs comme ça. Voilà. Au moins, on peut comprendre, mais pas terrible. Mais anyway, non, c'est la fête qui commence. On s'amuse, effectivement. Et donc, comme ça, je tourne un peu dans les poules, dans les groupes. Je viens voir le groupe de Côte d'Ivoire. Vous devriez. D'ailleurs, Côte d'Ivoire, là, c'est un, il n'y a pas son deux. Ils sont bons. Ils sont pas bons. On a quand même traité de supporter Mazo. On va supporter qui, c'est pas eux. Il est fort. On a eu notre goumé cher pour moi, mais au moins c'est même Côte d'Ivoire, on va supporter. Et on, Dieu voit la poudre de Côte d'Ivoire. Mais si vous n'avez pas pitié de noyer honte. Dieu voit la poule, on met. C'est le national du Guinée. Ok. Si c'était avant, où Côte d'Ivoire était Côte d'Ivoire, où quand on joue, on sait que ouais, c'est bon ballon, où il n'y a pas fait de problème de brassard, tout le monde est content, il n'y a pas fait de bété, du là, tout le monde est même chose, tout le monde est ivoirien. Si c'était dans ces temps-là, attends, on va regarder Sili National, pourquoi? On met ça à côté rapidement et puis on est devant. C'était avant, dans la préhistoire, avant, quand Côte d'Ivoire était avant, avec les Ben Badi, avec les Drogba, au moins on dit Mali. Oh, pardon, on finit ça rapidement, quitter. Côte d'Ivoire maintenant, c'est pas sûr. Donc, à se battre, voilà. Mais tout ça là, on sait rien. J'ai regardé. Attends. Camerounais, 20-21, ça fait quoi? Dites-moi, Cameroun. Pourquoi? Mais vous êtes derrière nous. Matin, me disons, vous êtes dans nos derrière, on dirait hémorroïde. On ne peut même pas dormir, on ne peut même pas respirer. Il y a quoi? Vous, toutes les poules là, vous n'avez pas vu. Non. Toutes les poules qui sont là, non. C'est poules de Côte d'Ivoire. Nos petits poules là, vous n'êtes pas petit. Poules de Côte d'Ivoire, c'est là où vous êtes venu tomber encore. C'est quoi? Laissez-nous tranquille. Oh non. Je regarde au Cameroun est encore dans notre poule. Pourquoi? Ah, du coup, éléphant, on reste de la vérité, quoi. Non, vérité, quoi. Si vous voulez, là, votre énergie, là, faut garder. Faut pas. Mali n'a qu'à nous gagner, c'est pas grave. Guinée n'a qu'à gagner, c'est pas grave. C'est un autre monde là-bas. On est frontière, on se fait frontière, il n'y a pas de problème. Mais Cameroun, pardon. Dis-toi que quand ta maman t'a accouché, là, éléphant, écoute-moi très bien. Quand ta maman t'a accouché, là, c'est à cause de ce match qu'elle t'a accouché. Tu dis, pardon! Tout ballon que vous connaissez là, le jour là, faut mettre votre tête au pied au tout votre déposé sur le terrain là.
Si c'est trop, vous ne pouvez pas là. Au moins, au moins là. Jouez notre technique. Nous-mêmes, notre technique là, c'est nous, on a fabriqué ça. À reculer, passe. Au moins, là, quand on fait ça, match nous, c'est bon. Mais pardon, il ne faut jamais qu'on ne va gagner quoi. Pardon. Mais c'est foutu. Il vient maintenant devant ma porte. Pardon. Ils ont trop parlé. Pardon. Camerounais, pardon. Tout le monde est Camerounais. Non, donc, on va niaga sur le terrain. Il n'y a même pas. Le jour là, il y a pas, je n'ai pas camarade camerounais. Je n'ai pas ami. Je vous hais vous tous. Voilà, je veux. Je vous hais, oui, je vous en dis. Je vous hais tous les Camerounais. Donc, pardon, on est ennemis sur le terrain. Voilà, j'ai dit ça. Eh bien, aimé, oui, effectivement, sur le terrain, on sera ennemis. Mais, quand on sort du terrain, on devient tous Camerounais. Quand on sort du terrain, je suis Camerounais. Pourquoi? Parce que je suis Africain. Quand je sors du terrain, ici à Vérité Piment, frère et soeur, je mets ma voix avec toute cette famille, de la famille Vérité Piment. Et avec, en une seule voix, on supporte toute l'armée camerounaise. D'ailleurs, et ça là. Voilà. Voilà. Après ça, je suis Camerounais. En support avec l'armée camerounaise, frère et soeur. L'armée camerounaise. Pourquoi? Parce que cette affaire de Boko Haram. Frère et soeur, je me sens Camerounais, je me sens Nigérien, je me sens Tchadien, je me sens Nigérien. Quand l'Afrique est attaquée, tout pays de l'Afrique doit se sentir attaqué. Quand un pays est attaqué en Afrique, tout pays doit se sentir attaqué, frère et soeur. Oui, je me sens Camerounais. Tous ensemble, ceux qui croient à la puissance de la prière ici, c'est le moment de prier. Pourquoi? Parce que, frère et soeur, Boko Haram n'est pas ami de quelqu'un. Il n'est pas ami du musulman, il n'est pas ami du chrétien, il n'est même pas ami de l'être humain. Frère et soeur, ceux qui ne supportent se connaissent. Aujourd'hui, si on laisse prendre d'abord le Nigérian qui est la plus grande puissance de l'Afrique noire, avec tous ces puits de pétrole qui sont convoités, jeunes Africains, ouvrons les yeux, ouvrons bien les oreilles. Si on accepte, on laisse jusqu'à Boko Haram, prend tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Ah, il ne peut pas se défendre, les Africains ne peuvent pas se défendre. Nous, on va aller et automatiquement, on va commencer à voir Boko Haram comme leur traite, comment on dit traite encore, leur menace. Et ils vont arriver, vous les déloger et mettre dans sur tout ce qui est là-bas, tout ce qui a comme minerai là-bas. Aujourd'hui, ils ont commencé à attaquer le Cameroun. Demain, ce sera quoi? Niger. Et c'est comme ça qu'ils vont se prendre. Maintenant, les grands qui les supportaient de toute façon vont trouver maintenant qu'ils sont devenus menaces. Et vont venir. Et dès que mettront la main sur le Nigeria, qui est la plus grande puissance noire en Afrique, c'est qu'ils ont mis la main sur toute l'Afrique. Ce qu'on a toujours évité, c'est ce qui va se passer. Donc, jeunes Africains, ouvrons les yeux. Supportons tous cette armée du Cameroun. Supportons l'armée du Niger et du Tchad qui est rentrée aujourd'hui pour déloger ces ennemis de l'humanité, ces ennemis de l'Afrique. Donc aujourd'hui, après ce match-là, mais à partir d'aujourd'hui, je vais remettre mon maillot de Côte d'Ivoire quand le match va commencer. Mais après ça, je suis Camerounais. Frère, ce Camerounais, je suis avec vous. Je vous aime. Quand on sort du terrain, là, avant de rentrer sur le terrain, j'aime le Cameroun. Ah, je suis ivoirien. Quand on sort de ce terrain, je deviens encore Camerounais. Je deviens africain pour que nous tous, dans le même esprit, esprit de soutien, esprit d'unité entre Africains, on puisse déloger ce groupe nuisible au progrès de l'Africain. Frères et sœurs, bonne canne à vous tous. On va beaucoup s'amuser sur cette page, mais toujours ayons les yeux sur les victimes de Boko Haram. Dans nos prières, supportons ces pays, supportons l'Afrique, supportons la jeunesse africaine, supportons nos militaires, nos soldats qui vont sur le front pour aller déloger. Pourquoi? Parce que c'est le père de famille, c'est des frères, c'est des sœurs, et supportons-les, que l'Éternel soit avec nous, que le Dieu Tout-Puissant soit avec nous. Soyons tous bénis, votre frère et ami, l'évangéliste, Aouzoua Ibona, bien-aimé, je vous aime.